Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à cette édition de Yashab où nous demeurons dans la présence du Seigneur par des cantiques spirituels. Pour cette édition, j'ai la joie d'avoir avec moi mon frère Miguel. Miguel va nous conduire ensemble pendant quelques minutes dans des cantiques spirituels. Nous prions que le Saint-Esprit l'accompagne, le conduise. C'est un excellent frère dans la conduite de louange et je crois que nous bénéficierons de la grâce que Dieu a déposée dans sa vie pendant quelques minutes. Mon frère Miguel, tu as toute la parole. Amen, 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 amen. Alors, ce premier chant que nous allons chanter est tiré de Ésaïe 61, qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération, et aux prisonniers leur élargissement. Alors tu chantes avec nous. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oh, alléluia. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es la Alpha l'Oméga, le Dieu qui dans la paix. Alléluia. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer une bonne nouvelle aux malheureux et aux prisonniers la délivrance. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer une bonne nouvelle aux malheureux et aux prisonniers la délivrance. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ma ouais,
l'éternel m'a gardé. Adonai est fort, il est grand, il est puissant pour chacun de nous. Il est le divin, Dieu grand, puissant. Digne de louange. Nous t'adorons, Adonai. T'adorons, tu es fort. Il n'y a personne comme toi. Personne comme tu toi. Tu es unique en ton genre. Seigneur Dieu. Nous t'adorons, nous te louons. Adonai. 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 Adonai, 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 Eshaddai, 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 Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Adonai, Adonai. We Adonai are for Adonai, Adonai. We Adonai are God, Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, 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 we Adonai, 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 Adonai. Je veux bénir le nom de l'Éternel des armées. Amen. Son nom puissant, grand, merveilleux, il est mon roi. Amen. Je veux bénir le nom de l'Éternel des armées. Son nom grand, puissant, merveilleux, il est mon roi. Oui, Adonai est fort, Adonai. Celui qui demeure fidèle, il est celui qui règne, qui règne à jamais. Comment ne pas te louer éternel? Tu es celui qui donne la paix, la joie, la vie. Comment ne pas te louer éternel? Tu es le roi des rois, tu es la femme des gars, tu es Seigneur, Seigneur Immanuel. Comment ne pas louer le nom de l'Éternel des armées? Il est roi, il est roi, il est roi, il est Seigneur, il est puissant, il est le roi des rois. Adonai, 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 Adonai,
Seigneur, nous magnifions.
glorifions ton nom, Emmanuel. Nous glorifions ton nom, Seigneur, car tu viens, l'éternel des armées. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adressons cette prière. Fais-nous croître dans ton humilité. Donne-nous d'obéir à ta volonté, car nous désirons ton amitié. Mais nous savons qu'elle est pour ceux qui te craignent. Aussi nous demandons
Fais-nous grandir dans ta sagesse, afin de craindre ton nom et de le connaître parfaitement. C'est une évidence, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. C'est une évidence, l'humilité protège de la vaine gloire et elle projette dans la vraie gloire. Il y a une nuance, l'humilité ne fait pas semblant, ce n'est pas la fausse modestie. Il y a une nuance, l'humilité ne rejette pas la grâce, avec joie elle la reçoit. Je choisis de m'humilier pour obéir à ta volonté. Je désire ton amitié, elle est pour ceux qui te craignent, comme Jésus-Christ, je m'humilie. Et autant convenable, tu m'élèveras. Galates chapitre 5, verset 26. Galates chapitre 5, verset 26 dit ceci. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Si l'un d'entre nous cherche une gloire vaine, il va créer un problème. Si nous cherchons chacun une vaine gloire, vous allez voir que nous allons nous provoquer les uns les autres. C'est notre espérance, notre Père fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est notre espérance, l'humilité de Christ en nous nous conduira à la gloire. Oh, oh, oui. Oui, j'ai confiance, quand je suis seul ou en compagnie des humbles, je grandis dans l'humilité. Oui, j'ai confiance, la richesse, la gloire et la vie sont le fruit de l'humilité. Je choisis de m'humilier pour obéir à ta volonté. Je désire ton amitié, elle est pour ceux qui te craignent. Je choisis de m'humilier pour obéir à ta volonté. Tu je désire ton amitié, elle est pour ceux qui te craignent, comme Jésus-Christ, je m'humilie. Et autant convenable, tu m'élèveras. Je sais seulement si je persévère dans l'humilité. J'espérerai contre toute espérance quand ça ne se manifeste pas encore, parce que je suis convaincu qu'il en sera comme il l'a dit. J'ai pleinement confiance en Dieu.
Alléluia. Que la richesse arrive, la gloire arrive, la vie arrive. Et au-delà de cela, l'amitié de Dieu notre Père. Dieu nous tend une main tendue d'amitié et il nous montre le chemin, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia, bénissons son Saint. Ô Père, nous te rendons grâce pour l'esprit de sagesse. Je m'humilie devant le Seigneur. Je m'humilie devant le Seigneur. Humble thyself in the sight.